Arrêtez les rebelles! Vous ne pourriez pas arrêter de crier! Vous ne voyez pas que Groucha a des problèmes? Les filles, attendez, attendez! Que s'est-il passé? Groucha, vas-y, dis-lui! Je n'ai rien envie de dire à personne! Groucha, si tu ne veux pas le dire, toi, je le ferai moi! Quoi, Groucha? Bro, ça fait du mal? Les filles, calmez-vous! Groucha, dis-moi ce qui s'est passé! Je ne sais même pas par où commencer. Bros est un imbécile. Groucha, va droit au but. Bros l'a traité de grosse vache. Bros. Groucha, je te conseille d'oublier ce que t'as dit Bros. Et laisse-le se trouver une top modèle. De toute façon, les gars de cette école sont vraiment arrogants. Ouais, vraiment arrogants. Diana, tu sais ce qu'il a fait, Patrick? Il a fait le tour de l'école pour coller des chewing-gums. Bon, je te dis ça en toute confiance. Diana, est-ce que tu viens? Les filles, attendez. C'est important, là. On se maquillera plus tard. C'est bon, Diana, tu peux y aller. Les filles t'attendent. Non, Groucha, laisse Diana s'occuper du cas de Bros. Je le ferai, mais pas qu'avec Bros. Les filles? Très bien, les filles. Je crois bien qu'on ne va pas se maquiller. Diana, laisse les perdants s'occuper de leurs problèmes. Tu n'as qu'à leur dire que tu n'interviens pas dans leur relation. Groucha, maintenant Diana va s'occuper de Bros. Zouza, je crois pas que ce soit une bonne idée. Les perdants ne sont pas les seuls à être effrontés. Tous les gars de cette école le sont. Vous êtes d'accord? Oui, Diana, l'arrogance des gars est un fait. Et même nos petits amis ont changé. Mais les filles, qu'est-ce qu'on peut y faire? Les filles, instaurer des règles. Seules des règles au sein de l'école pourront les faire changer. Ça, c'est vrai. Et des règles bien strictes. Ça nous plaît. Lialia, aujourd'hui, ce tablier et cette casquette sont pour toi. Je vais tenir la caisse. Diana, tu es très douée pour sourire à tout le monde. Et tu sais que je n'aime pas sourire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que cette casquette est pour toi. Où sont tous les autres garçons? On dirait bien qu'on est les seuls mecs de l'école aujourd'hui. Hé les gars, mais où êtes-vous? Ils ont décidé de fuir l'école aujourd'hui, hein. Les basketteurs, est-ce que vous êtes sourds? Je vous ai dit que seules les filles pouvaient rester ici. Pourquoi toutes les filles sont au café? Les rebelles, vous allez nous servir? Écoute Diana, je reste où je veux. Et pourquoi devrions-nous partir? C'est un café d'école. Les filles, vous ne nous dérangez pas, vous pouvez rester. Vraiment très drôle. Smile, Max et Timur, dehors. Je compte jusqu'à 3. 1. Les gars, allons-y. Où ça? Regardez le visage de Diana. Oui, allons-y. Compris, Diana. Hé, hey, Smile, reviens et ramasse ton verre. Et Smile, parmi tous les garçons, ne fais pas figure d'exception. Fermez la porte. Diana a l'air un peu énervée. Pourquoi vous pensez qu'elle a réuni toutes les filles ici? Elle veut nous mettre toutes en garde de ne pas sortir avec Marcus. Les filles, je ne pense pas. Écoutons-la. Écoutez-moi, les filles. Je voulais vous dire que tous les gars de cette école se comportent comme des merdes. Ils sont vraiment insolents. Ce n'est pas la première fois qu'ils balancent la vaisselle par terre. Lialia, ça te scandalise de devoir ramasser un seul verre? Tu sais combien j'en ai ramassé dans ce café? Yana, n'oublie pas, c'est moi qui tiens la caisse. Tous les garçons de cette école ont vraiment du culot. Ouais, Bros ne me respecte plus du tout. C'est vrai, je peux dire la même chose de Dima. Il est tellement froid. Karina? Salade. Karina, dis-leur. Et Kostia, il a supprimé toutes mes photos dans son téléphone. Je vois. Tous les gars deviennent vraiment trop arrogants. À partir de maintenant, il va y avoir des règles dans notre école. De toutes nouvelles règles. Oh, salut, il n'y a que des filles. Vous m'attendiez? Je crois que je dois me mettre au travail. Des règles pour les garçons. Des règles très strictes. Je ne comprends pas. Que faites-vous là? On vous a remplacé, toi et Ice, depuis 2 jours. Et tous les étudiants, enfin. Le professeur Mike a dit que nous sommes les seuls à pouvoir gérer le café. Maintenant, je suis là, alors dégagez. Les rats. De nouvelles règles pour les garçons? Pourquoi elles font ça? Peut-être que les rebelles se sont faites larguer. Les rebelles, vous pouvez être plus précises? Bien sûr, je vais préciser. Les filles, vous n'avez pas remarqué que les garçons de notre école se comportent mal ces derniers temps? Ils jettent leurs déchets partout. Ils crachent sur le sol des toilettes. Et ils mettent du chewing-gum en dessous des chaises. Oui, et ils nous traitent de tous les noms. Et ils ne nous laissent pas aller au gymnase et nous empêchent de nous entraîner. Et ton nouveau petit ami, Slava, a mis une grenouille dans mon casier. Et Patrick nous a espionnés, nous, les Frogs. Tu as entendu, Zouza? Patrick! Allez, Zouza, assieds-toi. C'est bon, c'est bon.
Bien les filles, à partir de maintenant, les règles pour les garçons vont être plus strictes. Et tout garçon qui enfreindra ces règles sera viré de l'école. Oui! Dégage! Pizza, bat les pattes. Hé, c'est le professeur Mike qui nous a dit de tenir le café. Tu ferais mieux de ne pas te frotter à nous. D'accord, mais maintenant je suis là, alors votre aide n'est plus nécessaire. Tu vas le regretter. Écoute Lielia, laisse-la récupérer son tablier et allez sourire à tout le monde. Pour moi, c'est naturel. Bien les filles, si vous voyez l'un des garçons enfreindre les règles, dites-le-moi immédiatement ou au professeur Mike. Nous y veillerons. Oui, parce qu'on ne travaille plus ici. Très bien, Lera. Affichez ces règles. Voilà, Kostia. Et c'est juste d'enfreindre une seule règle. Je vais enfin pouvoir obliger Dima à faire tout ce que je veux. Les filles, ce n'est pas l'objectif de ces règles. Très bien, les rebelles. Allons dans la loge. C'est vraiment génial. Lialia, quand les garçons verront ces règles, ils seront choqués. Et donnez ces règles en tout premier à Browse. Et dites-lui de les lire attentivement avec Patrick. Les filles, je suis de retour. Dites-moi ce que vous voulez. Un jus d'ananas. Mais en quatre. Patrick, allez, ferme le casier. Browse, attends. Je vais taguer le casier des rebelles. Kostia, c'est quoi ton problème avec Karina? Tu ne vas pas me croire. Elle a dit que j'étais radin. Et alors? Je pense que je vais la quitter. Attends, Kostia. Si tu largues Karina, je dois aussi larguer Salade? Je sais pas, Dima. Fais comme tu veux. J'en ai marre d'elle. Je vais lui dire qu'elle est moche. Kostia, quoi? Elle va se fâcher et elle va te quitter en premier? Dima, je m'en fiche. Patrick, tu n'aurais pas dû faire ce tag. On s'en fout. Oups. Attendez. Et pourquoi vous jouez au chef? Doucement. Et si elles savaient qu'on attaquait leur casier? Elles n'en savent rien. C'est pour vous. C'est quoi? Une invitation? Les règles à suivre à l'école. Qu'est-ce que c'est que ça? Lisez et mémorisez ces règles. Et un petit conseil, lisez jusqu'à la fin. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez expulsé immédiatement. Voilà, Browse. Tu es foutu. Les nouvelles règles à respecter. Waouh, Kostia, qu'est-ce que c'est? Dima, c'est encore un tour d'airain. Tu n'as pas compris? Non, ça dit que celui qui ne suit pas les règles est renvoyé de l'école. Ça n'a rien à voir avec les rats. C'est du ressort du directeur et du professeur Mike. C'est écrit les règles de Diana. Alors on doit s'y conformer. J'ai compris, on ne pourra même plus dire un gros mot sur les filles. Ouais, on est foutus. Professeur Mike, expliquez à votre neveu que je ne veux pas être son ami. Je suis la mascotte, je suis l'ami des pom-pom girls. Roméo, je vais être ami avec la mascotte, c'est un mec sympa. Mascotte, je pense que vous pourriez avoir une belle amitié. Roméo veut être mon ami pour pouvoir sortir avec Diana. Je veux pas être impliqué à ça. Non, mascotte, tu mens, tu ne fais que mentir. Les gars, tout le monde est censé être ami dans cette école. Serrez-vous la main et arrêtez de vous chamailler. Amicalement. Bonjour, professeur Mike. Mascotte, Roméo. Bonjour, vous avez aussi des problèmes? Aucun problème, c'est pour toi, mascotte. Des règles pour les garçons. Roméo, lis ça, essuie-les. Qu'est-ce que c'est? Des règles qui stipulent qu'il est interdit d'harceler les filles avec des déclarations d'amour. T'as entendu, Roméo? C'est pour toi. Et nous, nous devons y retourner. Il y a longtemps que nous avons besoin de règles pour les garçons dans cette école. Oncle Mike, lis-le. On ne prend pas les places des filles à la cafétéria. On met pas les pieds sur les bureaux. Pas de frime devant les filles. Oncle Mike, qu'est-ce que c'est? Ce sont les règles. On dirait que tu fais vraiment chier les filles. Très bien, Roméo. Tu dois suivre ces règles ou tu seras viré de l'école. C'est toi qui dois respecter les règles. Je n'en ferai jamais les règles. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis ce parfum. Écoutez les filles, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec les garçons? Ils ne se comportent pas tous mal. Non, on n'est pas trop dur. Ils le méritent. Mais vous verrez, je suis sûre que tous les garçons ne suivront pas ces règles. Eh bien, pour ceux qui ne les respecteront pas, vous savez déjà. Je pense que tu aurais mieux fait de résoudre le problème entre Groucha et Browse, mais pas étendre ça à toute l'école. Moi, je pense que ces nouvelles règles sont nécessaires, surtout pour les basketteurs. Marie, tu m'énerves avec ça. Laisse-les tranquilles. Ils l'ont compris il y a déjà longtemps. Les filles, arrêtez de débattre. Ce sont les règles et elles doivent être respectées. Les filles? Salut les filles! Pas de déchets. Je n'ai jamais rien jeté dans cette école. Salut les garçons. À votre place, je ne rirai pas autant. Ces nouvelles règles s'adressent à tout le monde. Oui, oui, Marcus, à tout le monde. Mais on n'étudie même pas ici. Même si vous n'étudiez pas ici, vous devrez suivre ces règles. C'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas répondre de rumeurs sur les filles.
céder sa place aux filles au café. Qui a écrit ça? Diana! Les règles sont les mêmes pour tous. Allez bébé, calme-toi, allons au café. Merci, mais nous avons cours. Les filles? À plus tard, les gars. Les gars, on doit vraiment respecter ces règles? Non, c'est juste une blague. On va jouer au foot pendant que les élèves sont en classe. Je prends l'équipe bleue. Première règle, ne pas vous foncer les filles. Non, c'est vraiment une blague. Deuxième règle, ne pas jeter de déchets à l'école. Ne pas jeter l'emballage des chips. C'est pour les perdants. Oui. On ne colle pas de chewing-gum sous les bureaux. Les gars, ça c'est Bruce. Ne pas répondre à des rumeurs sur les filles. Timur. Quoi, Timur? J'ai déjà balancé une rumeur sur les filles. Allez, gamin, on plaisante. Ne pas harceler les filles avec des déclarations d'amour. Vous savez quoi? Y a que Diana pour inventer des règles comme ça. Les gars, on est des basketteurs. Ces règles ne sont pas pour nous. Et en plus de ça, on se comporte parfaitement à l'école. Très bien, les gars. Allons nous entraîner. Les filles, les gars sont en train de flipper. Et dans notre classe, tous les gars se sont assis en silence. Ryan, tu dois te conformer à ces règles. J'ai un comportement normal, hein. Aucun garçon ici n'est normal. Et tu n'es pas une exception. Je vous le dis, mon comportement est normal, hein. Ryan, tu pourrais te faire renvoyer de l'école. Faut pas dire ça, je le serai pas. Ouais, je ne vous envie pas, les gars. Cela va, vas-y, passe. Vas-y, passe. Les garçons! Alors, vous n'avez enfreint aucune règle pendant qu'on était en cours? Les filles, quoi? Notre comportement est parfait, pas comme mascotte. Quoi, mascotte? Vous n'arrêtez pas de crier, j'en ai marre de vous. Diana, si les règles sont les mêmes pour tous, ils n'ont pas à venir dans cette école. Attends une minute, mascotte. Les garçons? Il ment, il répond des rumeurs sur les rebelles. Oui, oui, mascotte! Ne les croyez pas, ils font exprès. Diana, c'est une atteinte à mes droits, hein. Ce n'est pas drôle, hein. Diana, elles veulent m'imposer des règles, hein. Oui, Ryan, l'école a de nouvelles règles. Et elles s'appliquent à tous les garçons. Diana, ton petit ami et ses amis ne sont pas censés venir dans cette école. Et en plus, ils se moquent de moi, hein. Ryan, si tu continues à agir comme ça, non seulement ils vont se moquer de toi, mais nous aussi. Vous voyez les rebelles, hein. J'en ai marre d'eux, hein. Eh bien, chers petits amis, je vous rappelle que les règles sont pour tout le monde. Et vous, les garçons, vous ne faites pas exception. Alors, on va au café? Allons-y. On vous accompagne. Les rebelles, attendez, je viens aussi. Diana, attends, hein. Ryan, apprends les règles. Waouh! Ça fonctionne? On dirait que les garçons ont vraiment changé. Écoutez, les filles, vous ne trouvez pas que c'est trop? Merci, les rebelles. Avec plaisir. Les rebelles, hein. Brosa, pourquoi ils sont tous là-bas et nous ici? Parce que nous allons briser ces règles. Brosa, on ne va pas être virés. Elles ne sauront pas que c'est nous. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je n'ai rien fait, hein. Écoute, Diana, on ne peut pas faire une exception, au moins pour nos garçons. Non, Nastia, les nouvelles règles s'appliquent à tous les garçons. Ils doivent apprendre à nous respecter. Et surtout Max, le basketteur. Les gars, allez, likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir! Demain, il y aura de nouvelles règles pour les filles. C'est compris, hein? Oh, qu'est-ce qu'on a peur!